Bonjour chers internautes, c'est votre humble serviteur Cédric Kalemba Liswa Nzambe. Le lot qui tient en hôpital Panzi pour Nako Tala, ndenge na biso fali poupa a roupé sa don y a chèque y a 20 000 $, donc y a 20 000 €. Ce n'est pas du tout makamba mike. Alors ezabongo vision iti télévision na musika na zopé sa mbote mingi na boss de boss papa iti kasai om tatiba moyen tout pour vision iti télévision ba kitati awa na hôpital ya Panzi awa na Mbinza météo. C'est parti botala iloko ndenge osalama toleka. Mesdames et messieurs, bonjour. Que nous recevons dans le locaux de la fondation de la Teddy Fonzi à Kinshasa en ce jour de jeudi 18 juin 2020. Votre délégation de la Fali Poupa Fondation. Nous vous souhaitons la bienvenue. Il est vrai que notre pays traverse une crise sécuritaire depuis près de 25 ans. Cela est à la base de nombreux défis. C'est au cours de l'année 1999 que face à un grand désarroi, le docteur Denis Mukwege soignait sa première victime d'un viol perpétré avec une extrême violence dans cet hôpital de Ponzi qu'il venait à peine d'ouvrir et qui était d'abord destiné à être une maternité. Depuis, ce sont plusieurs dizaines de milliers de femmes qui sont passées par l'hôpital
général de référence de Ponzi à Bukavu, ainsi que nos différents centres de santé afin de recevoir des soins appropriés. La Fondation Ponzi offre une prise en charge holistique des survivants des violences sexuelles, c'est-à-dire une prise en charge médicale, psychologique, juridique et socio-économique. Lorsqu'une femme est rejetée par la société, lorsqu'une jeune fille, un enfant est chassée du toit parental, pointée du doigt par la communauté, du fait d'être survivant, il subit une double peine lui infligée par la communauté et la société. Alors que nombreux nient l'existence même des violations massives sur nos mères et nos sœurs à travers le pays, M. Fallu Ipupa n'est pas resté insensible. Nous l'avons vu arriver une première fois dans notre hôpital général de référence de Ponzi à Bukavu, où il a été accueilli personnellement par le docteur Denis Mukwege. À travers sa visite, destinée à remonter le moral des survivantes des violences sexuelles, il ne saura évaluer ou essayer d'imaginer l'immense joie qu'il a procurée à nos patientes. Cette visite était la reconnaissance de leur souffrance. Il a redonné de l'estime aux survivantes. Il était là pour leur dire « Vous existez, vous comptez pour moi, votre vie est précieuse et je vous respecte. » Notre frère Fally Ipupa est revenu pour être proche des victimes des violences sexuelles. Nous l'avons vu même à Oslo où il a chanté pour honorer le prix Nobel de la paix. Il a rappelé encore une fois qu'il était avec lui dans cette lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, lorsque M. Fally Ipupa nous remet un chèque, fruit des bénéfices de son cancer de Paris, nous ne pouvons que lui témoigner notre gratitude. En effet, au nom du docteur Denis Mukwege, au nom de la Fondation Ponzi et de toute la famille Ponzi, nous vous remercions sincèrement pour ce sacrifice que vous avez consenti et pour ce geste admirable à l'égard des victimes des violences sexuelles et celles basées sur le genre. Merci. Merci. Bon, ça ne peut pas. Nous voulons vous dire un grand merci pour votre accueil. Nous sommes ici aujourd'hui pour matérialiser la promesse faite par l'artiste Fally Ipupa. En effet, pendant la campagne promotionnelle de son concert au Accor Arena Hotel Ex-Bercy, du 28 février dernier, il avait promis de reverser une partie de son cachet à la Fondation Ponzi. Chez le docteur Denis Mukwege, à travers sa fondation, qui constitue pour cette dernière une contribution aux actions de l'organisation de l'hôpital de Ponzi. Nous avons aussi également profité de l'occasion pour vous remettre, au nom de la Fondation Fally Ipupa toujours, 2500 masques pour aider à respecter à des gestes barrières. Un geste, un sourire. Tel est le slogan de la Fondation Fally Ipupa, qui apporte son soutien au prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege et sa fondation. Nous vous remercions. En plus de la promesse du chèque, nous réalisons que nous avons eu un lot en plus et nous ne pouvons que vous remercier au nom de la fondation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et j'avais demandé.
je ne savais pas que rien de fini. C'est pourquoi moi je me disais on va le faire peut-être, vous allez trouver un cadre. Quand Salomé m'a dit que vous avez une clinique, ça m'a fait plaisir. Ici vous soignez les gens qui viennent de la zone ou bien de tout Kinshasa? Et puis c'est une gynécologie, c'est seulement de la gynécologie ou bien vous avez beaucoup plus de secteurs médicaux? En fait, vous aurez suivi qu'on est là depuis le mois de mars lors de l'inauguration. Je ne sais pas si vous êtes au courant, nous sommes là depuis le mois de mars. Et là, comme je venais de vous le dire, nous avons une prise en charge holistique. Donc, quand la victime vient, pour le moment, nous prenons les victimes de toutes les communes, spécialement à Makala, à Limete, Kingaboa et Makala, donc une partie de Makete. Mais quand la victime arrive, elle est premièrement prise en charge médicalement. S'il y a des soins à donner, s'il y a des produits administrés, nous le faisons. Quand vous dites victime, c'est victime de quoi? Des violences sexuelles des problèmes gynécologiques. Ah, ok. Victime des violences sexuelles, mais nous traitons aussi les problèmes gynécologiques. Ok. Victime des violences basées sur les gènes à la parole. Parce que moi, j'ai visité Pandi 3 fois. On est allé à Pandi, à Bukavu, en 2013. Bon, si je dis que personne ne connaissait le docteur, c'est que... Non, en tout cas, ce n'était pas comme aujourd'hui. Dans quel sens? En 2013, ça veut dire qu'il n'était pas encore pris en peine. Ah, ok. Il n'était pas encore... il faut le dire que à partir de 2015, c'est là que... Je ne parle pas de l'Est. Mm-hmm. Ici, à Kinshasa, on a commencé vraiment à connaître c'était qui le docteur Mukavu. Mais nous, on connaissait en 2013 quand on est allé là-bas visiter l'hôpital. On a fait Goma, l'hôpital général, et puis on a fait Bukavu. C'est là qu'on a connu Pandi, qu'on a vu Pandi pour la première fois. Et nous, on était en contact direct avec les victimes des violences sexuelles. On a parlé au moins avec une cinquantaine de mamans. Et depuis ce jour-là, c'est resté en nous, quoi. On a fait de Pandi. Comme si c'était notre hôpital. Quoi. On est reparti en 2015 aussi, je pense. Et là, l'année passée, on était là-bas. C'était en février. On était au festival à Mani, à Goma. Et comme Fali est ambassadeur de l'UNESCO pour la lutte du recrutement des enfants dans les groupes armés, on devait aller même dans les zones à risque. On est allé dans un village qui était occupé par des FDLR, où on devait rencontrer un chef rebelle pour voir comment on pouvait exfiltrer les enfants qui sont recrutés dans les groupes armés. Ça, on a fait ça en 2019, en février. Et de là, on est allé aussi à Pandi. On s'est dit, bon, on n'est pas loin, on traverse. On est allé voir encore. Et là, c'est le docteur qui nous a accueillis, on a beaucoup parlé. Voilà. Donc, parce qu'à chaque fois qu'on va à Goma, nos frères de Goma nous font l'honneur de nous montrer l'ambulance qu'on avait remise en 2013 aussi, hein, qui fonctionne très bien. Et des fois, ils nous amènent ça. Alors, quand Fali fait des concerts, l'ambulance est gardée au stade. Au cas où il y a un blessé, un malade direct, on le récupère avec l'ambulance. Et ils ont très bien entretenu l'ambulance qui fonctionne jusque-là. Vous avez entendu ce qui s'est passé au parc Virunga dernièrement? Il y a eu des morts, il y a eu des... Voilà, c'est cette ambulance qui allait les chercher. Oui. C'est la fusillade qui a eu, c'est l'ambulance qu'on a mis à l'hôpital général de Goma qui est allée évacuer les corps et tout ça. Et bon, c'est vrai que c'est pas un plaisir pour nous. Mais bon, c'est toujours bien qu'on sache qu'une action qu'on a faite à l'époque continuer à produire des fruits, à aider les gens aujourd'hui. Et en tout cas, on ne va pas se limiter à ça. On avait prévu d'être à Pandi le 26 avril pour faire la cérémonie qu'on fait aujourd'hui. Et on s'est dit ça traînait. Personne ne connaissait combien de temps allait prendre cette histoire de pandémie et tout ça. On a fait le programme en janvier. On s'est dit on fait le concert à Bercy le 28. Après, en avril, mars, après les tournées qu'il avait, nous, la Fondation, on allait descendre avec lui à
Pandi et on allait aller à Beni aussi. Parce qu'on a un projet, on veut construire un hôpital à Beni. Donc c'était ça. Bon, quand la pandémie est venue en février, mars, ça a tout changé. C'est pourquoi on s'est dit aujourd'hui, bon, au lieu qu'on attende encore, au mieux qu'on le fasse. Et vous êtes un secteur qui, en ce moment, a vraiment besoin d'appui, a besoin de soutien et tout. C'est pourquoi on s'est dit, bon, il vaut mieux qu'on le fasse. Et après, quand tout rentrera dans l'ordre, on pourra toujours aller, parce que de toute façon, on ira toujours à Pandi, ce sera évident. Donc c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Donc voilà un peu, c'est comme une petite histoire, quoi, qu'on a avec Pandi et qu'on a avec le docteur. Ça nous redonne la joie. Je vous disais alors qu'au niveau de Kinshasa, nous avons commencé à Bukavu, mais nous sommes rendus compte qu'à Kinshasa, il y avait aussi ce mal. À Kinshasa, il y avait nombreuses victimes qui restaient dans l'anonymat. Et donc, elles subissent des violences sexuelles, mais elles ne savent pas les dénoncer. Elles n'ont pas ce courage-là de les dénoncer. Alors, de Bukavu, nous nous sommes installés ici à Kinshasa pour essayer de pallier un tant soit peu à ce problème-là. Voilà pourquoi nous les prenons en charge sur le plan médical, psychologique, juridique et socio-économique. Merci beaucoup, Bandeko Batali, Bana Poto et Solo, Bomoni Ndenge, Action Eleki, Fali Poupa, remettre chèque à 20 000 euros à l'hôpital Pandi. Donc, toujours remercier les artistes. Oui, c'est là qui est bon, ou à Betelaki, un concert, il y a Accor Arena, ex-Bercy. Il y a un Bomoni, Fali, Moutema Malamou, Fali, comme une vision internationale, Fali. Comme la vision Moussousou, en tout cas, il fallait la féliciter, il fallait la famille, mais à telle famille n'a été, à telle Moussala, au docteur Denis Mouké Gassalaka, à soutenir pour soutenir Bandegonapso Bazalaka violé, dans l'Est, dans Kinshasa, partout, dans la République démocratique du Congo, Mobimba. Dans le Bomoni, dans le Poto, dans le PC, dans le Moussika, et dit coucou. Nazo pesa la musika nani ndeko na ngai otoka basele bambote trop Francine Dongala mwana Paris ya solo Acho Dongala mwana Poto ya solo batutu ya Poto ban États-Unis Amérique kuna na moni mami Bwanda na États-Unis bozolanda vision iti télévision merci beaucoup na mon boss papa iti Kasai mon côté kokay na yo papa iti moto moko bien moto moko malamu donc bino moni ba image au Fali au fondation Fali et Sali donc 20 000 euros et ça, il y a pamba pamba te, donc coup de chapeau na artiste Fali Poupa, Hermana Biyosho, et le people de Wolo, te king, azo la sabine qui azo roi, parce que il y a beaucoup de raté quoi. Donc merci beaucoup na Fali Ipupa, merci na balenion sur la vision Iti Télévision, bolanda biso, bo s'abonner massivement na vision Iti Télévision, bo s'abonner. Merci beaucoup, merci, bye.